on se retrouve pour une vidéo sur Black Ops 3. Je suis équipé de mon arme préhistorique et c'est grâce à qui que je peux vous faire une vidéo avec cette arme? C'est grâce à Yilmaz, un abonné super sympa que j'ai pu contacter sur Twitter et qui m'a filé son compte pour que je puisse vous faire une vidéo. Donc je vais en commentaire hashtag merci Yilmaz, Y-I-L-M-A-Z. Comme ça y a pas de faute d'orthographe. Qu'est-ce qu'il y a? Crève, reste au sol, pédale. Oh, j'ai stressé alors que c'était un coéquipier. Ok, donc là j'ai une arme préhistorique, super méga cool, putain de merde, je me sens comme un vrai australopithèque, comme un vrai homme des cavernes, tu vois ce que je veux dire. Et je cherche des cibles, que la force du mammouth soit avec moi. Je veux que tous les dinosaures me donnent leur force. Yes, j'ai fait un kill. C'est quoi, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, j'ai la force de toute la préhistoire en moi. Dans ce petit bout d'os et de... Ouais, c'est un bout d'os avec des cailloux au bout pointus, voilà. Mais c'est super stylé, parce que c'est vraiment la méga classe. Ça pourrait carrément être une arme de Far Cry Primal, vous voyez ce que je veux dire? Je suis ultra déterminé. Un homme de Cro-Magnon m'a dit avant sa mort, oui, parce que j'étais vivant à ce moment-là, il m'a dit, franchement, je te donne mon arme, parce que t'es putain de beau gosse. Et je lui ai dit, merci mon pote. Il m'a dit, t'inquiète, je te filerai un peu de barbe un jour. Putain, mais tu vas crever ou quoi? Frère! Et je vois même pas pourquoi je l'appelle frère, c'est même pas mon frère, il va se faire foutre. Je suis ultra déter, moi, tu me connais mal. Oh putain! Oh! Non! Ok, donc là, je me mets en mode mission commando. Toute ma famille australopithèquesque compte sur moi! Meurs! Ils comptent tous sur moi! Au village! Putain! Je suis dans la merde là! Je suis dans la merde! Je suis chez eux! Je suis chez eux! Je suis chez eux! Je suis chez eux! Voilà, putain de merde! Tu meurs, mec! Putain, j'ai réussi à sortir vivant de ce bordel, quoi! Oh toi, glissade! Et je dis encore toi, putain, t'as vraiment pas de chance, mec! Tu viens de te faire buter par un australopithèque, mon pote! Pour ceux qui savent pas, un australopithèque, c'est une sorte d'homme préhistorique. Moi-même, je saurais pas dire exactement! C'est quoi exactement? Voilà. Oh putain de merde! Oh putain de merde, je sens le double kill! Oh putain de merde, je sens le double kill qu'on m'a volé! Espèce de connard, va! T'as pas honte de toi? Ouais, c'est ça, ouais. Rentre chez ta mère, ouais, ouais, barre-toi, ouais. Je me demande quand même qu'est-ce qu'ils ont eu l'idée de foutre des armes comme ça sur Call of, quoi. Qui aurait pu penser qu'un jour dans Call of, eh ben t'allais te battre avec un bout de nonos et des cailloux pointus au bout? C'est vraiment incroyable! Franchement, ils savent plus où ils vont, ils savent plus ce qu'ils font! Mais moi, je vois pas ça comme un défaut, moi, je vois ça comme un peu. Bah de l'innovation, c'est cool, c'est rigolo, c'est fun, et c'est pour notre plus grand plaisir. Diche ! Voilà dans ta gueule mon pote, qu'est-ce qu'il y a ? Allez, on est déterminé, on est débloqué, on va tous les niquer. J'ai de la barbe, j'ai des poils sous les aisselles, j'ai des poils aux jambes, j'ai des poils au cul, j'ai des poils partout, je suis à la limite d'un singe, je suis un homme préhistorique, respectez-moi, je suis votre ancêtre quand même, allez ! Putain, non! Les mecs, putain, de nos jours, on respecte plus les anciens. C'est un truc de baiser, carrément. Plus personne respecte les papis. Je suis le plus vieux des papis que tu connais. Et même pas tu me respectes, toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais oh, c'est relou au bout d'un moment. Faut être gentil avec les papis. Les plus vieux papis, eh ben, faut les respecter. Moi, j'ai fait la guerre de... La guerre contre les dinosaures. Voilà, voilà. Bientôt, dans Call of, ils vont nous mettre des dinosaures. Voilà. De manière tout ce qu'il y a de plus déterminé, je vais essayer de faire un kill avec mon nonos caillouteux. Allez, venez, venez. Mais putain de merde, je veux des cibles, je veux des mecs au corps à corps, je veux des mecs à... Des mecs à quoi? Bon, je sais plus parler, mais tout ce que je sais, c'est que je vais faire un double. Double. Double kill, oui, putain de merde, il était temps. Je sais plus parler, et je voulais dire que je voulais découper des gens. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, et je sais encore moins parler. Je suis désolé, je suis pas fou, je suis pas fou. Non, non, si toi derrière ton écran, tu me trouves fou, eh ben putain de merde, que non, je suis pas fou, c'est pas vrai. Arrête de dire des conneries comme ça. Parce que, non, quelqu'un de fou, c'est quelqu'un qui est en asile, pas quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, ok? Mais tu sais, toi derrière ton écran, eh ben je t'aime. Eh ben je t'aime, tu sais pourquoi? Parce que si t'es un abonné, eh ben je t'aime. Et si t'es pas abonné, si tu veux que je t'aime et que t'es pas un abonné, bah t'as qu'à t'abonner, c'est gratuit en plus. J'ai une cible en vue, j'ai une cible en vue, regardez, ces traces de pas sont toutes fraîches et boum! Voilà, j'adore le bruit que ça fait. Tu sens vraiment que le perso lui enfonce dans sa chair. Oh, oh, il a été en bas. What the fuck? Yes! Undish! Oh putain, comment je l'ai eu! Oh comment je l'ai eu! Putain, je l'ai suivi dans son... Bah c'est quoi ça? Mais c'est une grotte! C'est ma grotte! Là, il y a des traces! Là, il y a des traces! Je renifle! Je renifle avec mon nez d'homme de Cro-Magnon! Je suis un homme des cavernes! Putain, quoi! Comme par hasard, le mec s'est retourné au moment où j'allais le buter, quoi. Mais vraiment la malchance totale. Objectif kill cam. Objectif kill cam. J'ai dit objectif. Objectif, je me fais voler un mec, putain. Je veux faire la kill cam. Laissez-moi tranquille, putain. Voilà, dans ta gueule.
Inch'Allah, c'est moi. Allez, s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît. Ah, Thomas Walk across the map. Allez, allez, on croise les doigts. On croise les poils de fesses. Eh ben non, 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 mais non. Mon équipe et moi, on a gagné cette game. Mais ce n'est pas fini. Je vais relancer une partie. Let's go. Ok, donc c'est parti. Cette fois-ci, dans la map évac, on va essayer de les évacuer de manière ultra déterminée. Ok, j'espère que dans cette partie là je vais faire un peu plus de kills avec cette arme, ma foi super jolie, que j'adore beaucoup parce que c'est beaucoup ancien. Et moi, tout ce qui est ancien, et ben j'adore ça, tu vois. C'est comme le meuble en acajou de Jacqueline qu'elle a acheté chez Ikea récemment. Putain de merde, il date de l'époque de Louis XIV. J'ai kiffé ma race, laisse tomber quoi. Un marabout m'a dit que cette arme là est maléfique. Tous les esprits d'un village ancien sont renfermés dedans. Voilà pourquoi elle est si meurtrière et cause des dégâts irréversibles à ses ennemis. Oui, j'ai pris cette voie-là, je ne sais pas pourquoi. Ok, ok, ça va monter ici, ça va monter ici. Non, de l'autre côté, les gars. Vite, go, 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 go. Go, on va l'avoir, on va l'avoir. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est, cette pute, putain? Oh lolo, ça saute comme des kangourous. À chaque fois que je tue un gars, j'ai l'impression de faire la chasse aux kangourous sur ce jeu. Ok, toi, t'es mort, toi t'es mort, toi t'es mort. J'enchaîne, je sprinte vers la base adverse. Je vais choper ses petits coéquipiers. Venez tous à moi, je sais que vous êtes par là. Allez, ici, il y a eu des pas. Donc le gars est par là, glissade, et boum. Tu n'as pas le temps de comprendre ce qui t'arrive, mademoiselle, tu tombes. Allez, je ramasse ta plaque, et ensuite je meurs aussi. Je suis plutôt déçu. Déçu de ma prestation. Je trouve que je n'assure pas assez. Je trouve que je devrais faire plus de kills, plus de choses spectaculaires. Mais je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. Je ne suis pas très fort. Je vous demanderai bien de me donner de la puissance, mais le problème c'est que non, je dois demander aux âmes des hommes préhistoriques disparus auparavant. S'il vous plaît, mes ancêtres, donnez-moi de la puissance pour que je puisse tuer des ennemis avec votre arme favorite. Boum, voilà, ça commence plutôt bien. Je suis plutôt fier de vous, mes ancêtres. On y va, let's go. Putain de sprint, on ne se fait pas tuer. On est des terres minées. Et viens par là, viens par là. Et non. Tous mes espoirs sont anéantis à cause des raps. Les raps, aka le killstreak le plus cheaté du monde. C'est incroyable. Boum! J'avais prédit! Ok, ici il y a des ennemis. Ici il y en a un. Oh putain! Et boum! Dans ta gueule, mon pote! Et boum! Dans ta gueule, ma jolie! Allez, on sprint, les gars! On est des terres! On est des terres! Niche! De toute façon, eh ben je vais bouder! Vous allez voir, bande d'enculés, je vais bouder! J'ai franchement le seum là! Voilà pourquoi je prends une petite voix! Parce que j'en ai marre de mourir! J'en ai marre! Putain! Dans ta gueule, espèce de connard! Putain, c'est tout flou! Putain, qu'est-ce qui m'arrive? Oh putain! Oh lolo! Oh lolo! Là-bas j'ai vu un mec! Et boum, dans ta gueule! Dans ta... What the fuck? Je ne comprends même pas ce qui m'est arrivé! Oh putain! Eh, ça y est, j'ai récupéré ma vraie voix! Oh, combat! 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 Allez, tombe! Tombe! Oh putain! Oh wesh! Comment il a bugué son corps! Regardez, regardez son corps! Regardez comment il bug! Il est coincé dans l'arbre! Putain, épique carrément! Oh, il a disparu! Merde! Homme de Cro-Magnon, pas content! Pas content! Je me suis fait voler le kill! Je suis pas très très content! Où est-ce qu'il y a le prochain? Parce que moi j'ai la dalle et je vais manger un lapin! Les lapins, c'est trop mignon! Pourquoi vous les mangez? Y'a pas le droit de manger les lapins! Je respecte à mort les végétariens! Eh, s'il y a des personnes végétariennes dans mes abonnés, gros big up à vous! Oh putain! Pendant que je fais une dédicace à des végétariens, je me prends un gros coup de batte de baseball en pleine tête. Franchement, ça, c'est pas très très jojo. La prochaine fois, ouais, j'éviterai de faire une dédicace à des végétariens, hein, parce que si c'est pour à chaque fois me faire assommer un grand coup de batte de baseball, regardez, sur le crâne, eh ben non, non, ça le fait pas. Non, je suis pas content. Je suis pas content. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Et venez donc me suivre sur Facebook et Twitter. Tous les liens sont en description. Je compte sur vous. Pour ma part, ce sera tout. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Allez, ciao !